Tout le monde. Petite partie de JR, la première, qui sera disponible aussi sur YouTube. Et non pas sur YouPorn. Oui, tout à fait. Ah, suivant ce qui se passe dans le scénar. C'est important de le préciser quand même. Ah bah oui. Bien évidemment, non. Vu le scénar, rien ne terminera sur YouPorn. Vous pouvez me faire confiance là-dessus. Donc, si tout le monde est prêt, nous pouvons y aller. Vous êtes tous encore dans cette brume, dans ce rêve ou ce songe. Vous ne savez pas vraiment ce qui se passe. Mais le tic-tac que vous entendez se rapproche, de plus en plus. Et avec ce tic-tac, la brume s'épaissit, comme si elle devenait plus oppressante, plus étouffante. Et au fur et à mesure qu'elle s'approche, vous voyez apparaître l'horloge. Une machine immense, immesurable. Les rouages des engrenages qui tournent inlassablement. Vous ne sauriez pas vraiment dire depuis combien de temps, mais plus cela s'avance, plus cela vous inquiète. Et vous entendez cette cloche qui se met à sonner, de part et d'autre. Vous ne savez pas trop d'où elle vient. Et plus elle sonne, plus vous vous sentez aspiré vers le sol, comme si vous vous évanouissez. Cela continue, sans cesse. Perdez tout contrôle. Vous avez l'impression d'arriver dans un endroit sombre, dur et froid. Vous ne savez pas du tout où vous êtes. Et pourtant, au son de cette cloche, vous semblez vous réveiller. Et vous ouvrez les yeux dans une obscurité totale. Rock. Tu es le premier à ouvrir les yeux. Tu émerges d'un sommeil agité. Tu ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais tu te retrouves devant une porte faite de barreaux de fer épais. Tu ne sais pas trop où tu te trouves. Tu sens de la roche humide sur les flancs. De vagues lumières qui émanent du couloir. Et tu ne sais pas trop où tu es. Peut-être une prison. Qui sait ? Edward ? Oui. Je te demanderai par ailleurs de mettre ton nom sur le Roll20, s'il te plaît.
Oui. Tu émerges aussi dans la cellule mitoyenne à Rock. Je ne sais pas trop ce que tu fais là non plus. Dernière nouvelle, tu étais pourtant en partie en voyage. Mais comme pour Rock, vous vous sentez léger, très léger. Vous regardez rapidement vos affaires, vous n'avez plus rien. Vous n'avez que vos vêtements. Plus d'armes, plus d'armure, plus de bourse. Rien. Vous êtes nus. Ou presque. Messieurs, comment réagissez-vous? Je regarde rapidement autour de moi, prenant conscience que mon armure, dont je ne me sépare normalement jamais, n'est pas sur moi, je commence à paniquer un petit peu et à crier « Y'a quelqu'un ?» Et là, je réponds « Oui !» Qui êtes-vous? Quel est cet endroit? C'est moi, Rock. On se connaît pas, on est d'accord? Ah non, vous nous êtes jamais vus. La voix, tu sais pas trop qui c'est sourd. T'entends ouais. La voix de Rock, hein, c'est une voix qui est assez grave. Rock, toi, c'est une voix d'être humain qui te parle pas plus que ça. D'accord. Rock. Oui. C'est vous le maître de ce lieu? Non. Je suis emprisonné. Ah, un compagnon d'infortune. Et est-ce que tu as une idée de comment nous sommes parvenus ici? Non, pas du tout. Je viens de me réveiller tout juste. Kerek, Gam, Hilda. Vous émergez tous les trois aux voix que vous entendez résonner un petit peu dans la prison. De même que vos compagnons, vous n'avez plus d'armes, plus d'armure pour celui qui en portait, plus de bâtons, plus de dagues. Vous avez encore vos bottes, votre tunique, si elles sont un peu rapiécées. Mais c'est tout. Est-ce qu'il y a des... Moi je regarde s'il y a des choses au sol, sur les murs. Les murs sont nus, c'est de la pierre humide. Vous avez simplement de la lumière qui émane du couloir principal. Vous voyez relativement long, vous voyez quelques cellules de face à face. Gam, notamment en face de toi, tu as la cellule de Edward que tu vois debout en train d'essayer de parler à celle sur sa droite où se trouve Rock. Découvre un demi-orc billet. Ça t'étonne un petit peu. Hilda et Karek, vous êtes dans d'autres cellules plus loin, mais vous ne voyez personne à proximité. D'accord. J'essaie de pousser la porte, la grille. Elle est verrouillée, solidement. Et tu ne peux pas passer au travers, même malgré ta taille. Et au sol, il n'y a rien. Il n'y a pas de dos, pas de bout de métal, rien. Rien. Tu as juste une petite paillasse. Et un peu d'eau qui coule. D'accord. D'accord. Il n'y a rien de particulier dans toutes les cellules se ressemblent, je présume. De ce que tu peux en voir, oui. Il n'y a pas de disparité, ce sont toutes des cellules uniques, 2 mètres sur 3 à peu près. Et rien d'autre, une paillasse. Ouais, pas beaucoup de bruit à part les échanges que vous entendez. Donc on se réveille, on est stone quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, vous savez pas trop, hein, vous êtes perdu. Pour certains, vous étiez en voyage, d'autres, à part Kerek, hein, qui est dans une situation délicate. Ce rêve étrange, hein, vous remémorez ce son, ce tic-tac toujours, presque vous l'entendez au loin, vous-même. Vous savez pas trop si vous l'entendez vraiment ou si c'est dans votre tête que ce son résonne. Moi, en me réveillant, je dis « Oh, j'ai pris une cuite. »
Tu sais plus trop ce qui t'est arrivé sur la fin Carrec. Tu sais, t'as souvenir que c'était pas une bonne situation, mais tu sais pas trop comment. Personne ne sait en fait comment vous êtes arrivé ici. Certains sont endormis. Eh oh okay. Y'a quelqu'un? Ouh. Qui êtes-vous? Je m'appelle Ida. Vous êtes prisonnière, vous aussi? Bah, apparemment, oui. Ça fait déjà trois d'entre nous. Vous avez une idée de quel est cet endroit? Non, pas du tout. Je viens juste de me réveiller, c'est pas mes affaires. Je trouve ça un peu étrange. Ne vous inquiétez pas, c'est sans doute une mise à l'épreuve. Une mise à l'épreuve de Kossuth. Je suis sûr que nous allons sortir d'ici dans très peu de temps. Attendez, au loin. Ah, vous entendez des bruits pas sourds, un raclement sur la pierre. Vous voyez un étrange personnage, au faciès déformé, au corps informe, qui arrive raclant un gros, semblerait-il, un croc de boucher sur la paroi, ayant tenté parfois la lame sur les portes. Mangez, qui sera mangé ? Ça arrête devant la porte de gamme. Qu'est-ce que tu fais ? Il met un gros coup violent sur la porte. Gamme que nous venons de perdre. Oui, ah mais il a eu peur, je crois. Hein. Il a tellement eu peur qu'il s'en est déconnecté dans le Twenty, le pauvre. C'est ça, moi je peux débarquer un truc comme ça en même temps, je peux pas, pas se mentir. Il vient de se recouvrir. Bah, mais... Et on le voit, nous, le truc horrible. Vous l'avez pour Hilda et Carrec, il est passé devant vous, et Rock, Edward et Gam, comme il est, vous étiez tous les trois rapprochés, vous le voyez tous les trois. Par contre, Andarion, si sur Roll20, tu peux mettre ton nom. Oui, oui, pardon, oui, c'est ça. Ça serait nickel. Salut, Cré-Cré. On va en profiter. Salut à tout le monde sur le chat. Néo, Cré-Cré, Aki. Voilà. Xenor, c'est bon, c'est là. Ça marche. Donc, pour revenir à ce qui se passait, donc le personnage ici présent, on ne sait pas trop si c'est humain. Vous voyez hein, des énormes cicatrices, comme si on avait presque assemblé des bouts à la hâte. Il se met un peu à chantonner en passant devant ta porte, gamme. Il met un violent coup. Qu'est-ce que tu fais, toi, Nabo ? Rien. Je me recule, je vais dans l'ombre. Fais-moi un jet de dex. De disparition. De discrétion. De... C'est avec ma capacité de discrétion ou pas? Oui. Il te regarde. L'œil mauvais. Toi, trop bientôt manger. Tu peux le voir partir. Passe devant Rock. Il observe. Pas mon viande. Il continue un peu plus loin, s'arrête devant une porte. Semble se saisir d'une clé, ouvre la grille. Vous entendez un bruit de raclement, comme si on traînait quelque chose sur le sol. Et vous le voyez repasser devant vous, traînant un cadavre. Vous ne savez pas trop. Peut-être mort ou pas. Et un humain. Un jeune homme. Peut-être d'une quinzaine d'années, pas plus. Traîné, accroché à son croc de boucher.
et repartir, chantonnant ouais. toujours un peu cette, cette petite quand chanson. Il... Quand il passe devant ma cellule, je... Pardon. Oh là ! Quand il passe devant ma cellule, je l'interpelle, je me mets devant les barreaux. Et je lui crie, oh là, vieille créature ! Ne pas parler ! Il tape à nouveau sur la porte. Mangez, pas parler ! Au nom de Kossuth, je te l'ordonne ! Ouvre cette cellule ! Nous deux pères, donne-toi être mangé ! Ah, oh, c'est peine perdue. C'est idiot. Je te laisse partir, du coup. Il repart, il t'ignore presque. Donc nous, on le voit pas avec Hilda, on l'a pas vu, il est pas dans notre chemin. Lui, c'est ça. Là, il commence à passer devant vous. Donc, il était passé une première fois sans s'arrêter devant votre cage, votre cellule, et là, il repasse en traînant effectivement un corps humain, inanimé, qu'il traîne avec son crochet. Ah ouais, quand même. Moi, je l'ai interpellé. Eh, mon grand, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Moi, j'ai beaucoup parlé ce soir. Petit trapu le nain plus petit que moi. Il fait effectivement peut-être 1 ou 2 centimètres de plus que toi. Il n'est pas très grand, il est juste très large. Eh bien, il repart. Il a son cadavre au crochet, il ne s'arrête pas. Il est à poil le cadavre, il est comment ? Le cadavre, il était habillé. Des habits assez simples. Pas particulièrement riche, pas particulièrement pauvre non plus. Probablement typique de ce qu'on verrait en ville, en fait, un bourgeois. Gamme, tu viens de réussir. Vous entendez Rock et Edward d'un étrange déclic. Et vous voyez Gamme ouvrir la porte. La porte de ma cellule ? Non, la porte de sa cellule. Ah, il ressemble à quoi, Gamme ? Gamme, je te laisse te présenter. Du moins te décrire. Ah oui, il n'y a pas des avatars. Gamme, si tu parles, on t'entend pas. Tu t'es remis, Théo, mon cher Wame. Pardon. Je suis un alflin, jeune, très jeune, long. Et je me dirige devant la cellule. J'essaie de crocheter la cellule, la porte de la cellule qui est devant moi, donc celle d'Edward. C'est ça. Edward, tu as l'occasion de te décrire pour Gamme. Oui, donc c'est un humain plutôt grand de taille, assez large de corpulence, mais large dans le sens musclé. Hein. Blond. Tu as sans doute un peu de mal à distinguer la couleur de ses yeux dans l'obscurité. Mais tu vois qu'il a plutôt un beau visage, plutôt noble. Tu mets un petit peu de temps, Gamme, mais tu arrives à crocheter la serrure effectivement d'Edward. Tu as repéré un peu le fonctionnement sur la précédente. Ça prendra moins de temps que sur la première, mais tu arrives à ouvrir la serrure. Tu t'es remute, Gamme. Je sais pas pourquoi j'ai un truc qui me fait mieux de parler. On a raccourci quelque part ou quelque chose du genre. Donc je passe sur celle de côté, donc celle de Rock. Celle de Rock. Rock, si tu veux te décrire. Alors, je suis assez musclé, on va dire. J'ai une carrure massive par rapport à un humain. J'ai 2 crocs qui dépassent de la lèvre inférieure. J'ai la peau verte. J'ai une cicatrice au visage. Mais vu que je suis un demi-orc, j'ai quelques traits humains. Par exemple, les yeux bleus. Et quelques traits de son visage. Nouveau, le temps s'écoule, Gamme crochette la serrure, Edward, est-ce que tu attends simplement à côté ou fais-tu autre chose ? Non, bah du coup je passe un petit peu la tête par l'ouverture de la porte et j'essaie de regarder un petit peu plus loin
le couloir. Fais une direction où est repartie la créature, l'étrange créature qui vous a vaguement dit bonjour, qui semble courber un peu plus loin. Il semble assez long. De l'autre côté, t'as un embranchement. T'as un couloir qui continue sur la gauche. Sur le principal, en continuant une droite, tu vois que plus loin, il semblerait qu'il y a un éboulement ou beaucoup de roches qui se soient écroulées. Un cul-de-sac. Reste le couloir de gauche. Tu ne peux pas voir d'où tu es, ce qu'il s'y passe. Ok. Je vais attendre que les autres cellules soient ouvertes pour l'instant. Gamme termine effectivement le crochetage de la cellule de Rock. Du coup, j'essaie de disparaître dans les ombres et d'avancer vers le couloir par là où il est passé. Dans le couloir, le problème c'est que les ombres, justement, il n'y en a que très peu. C'est très longé les lignes, il y a des torches à des niveaux très réguliers, à moins de te cacher dans une cellule, d'en ouvrir une petite, de t'y cacher, cela va être très compliqué de te faire discret. Et est-ce que, si dans les cellules alentours, est-ce que je vois s'il n'y a pas des armes au sol ou... À part, effectivement, des paillasses, parfois des flaques, ou des traces de sang, peut-être. Là, regardant au coup de vent, tu ne saurais pas vraiment dire. Tu ne vois rien qui ne ressemble à un quelconque objet. Du coup, j'avance vers là où j'ai entendu un nain parler. Côté un peu plus loin, tu tombes effectivement devant la cellule de Garek. Donc, je fais un... Et j'essaie de... De nouveau, cela va te prendre un petit peu de temps. Rock, Edward, est-ce que vous faites quelque chose en attendant? Explorer, vous discutez. Au moment où il ouvre, je le remercie déjà de me libérer. je chuchote. Avec une voix grave, mais je chuchote. Merci. Je regarde aux alentours. Un peu ce qu'il y a dans les cellules. De nouveau, comme pour Gamme, tu ne vois rien d'autre que de l'eau, de la paillasse, et parfois des traces qui ne ressemblent pas vraiment à de l'eau. Traces de sang, traces d'huile, traces d'autres choses, tu ne saurais dire vraiment. Ouais. Bah moi, en sortant, je dis, la déco laisse à désirer. Je me dirige vers... je te remercie d'un signe de tête, l'alphelin. L'alphelin que merci vous avez malheureusement perdu. Ah. C'est ça. Je me dirige vers la porte en bois. Où il a extrait le cadavre. Non, c'est une porte ferrée, hein, comme toutes les autres. Hein, ouais, il a sorti d'une... T'approchant, tu passes devant le couloir de gauche, en continuant sur la ligne. Tu vois qu'il a l'air de s'enfoncer plus loin, de tourner un petit peu. Et en regardant dans le détail, tu vois que les portes s'arrêtent et que ça devient un couloir sans aspérité. En arrivant devant la cellule en question, d'où est sortie l'abomination qui vous a salué, tu vois effectivement une paillasse, quelques traces de sang. Je suis désolé, j'ai mon ordinateur qui a fait une mise à jour automatique. Ah. Décidément, mon pauvre, tu n'as pas de chance. Ouais. Windows 10 pas beaucoup avec toi ce soir. Du coup, on peut faire en vocal juste uniquement le temps qu'il redémarre, mais ça risque de prendre 10 minutes. Quoi. Bah écoute, c'est pas grave, pour l'instant il n'y a pas trop de soucis. Une fois que tu as ouvert la cellule de Karek, je suppose que tu as poursuivi jusqu'à celle d'Hilda. Oui. Que tu prends encore un peu de temps à ouvrir. Okay. Pendant ce temps-là, je sors de ma cellule. Je regroupe un peu avec les autres, je regarde un petit peu dans les cellules, juste pour avoir une vision de mes compagnons prisonniers. Et la créature, de toute façon, est hors de... Les créatures, pour l'instant, vous n'entendez rien provenir du couloir d'où elle est repartie. Je vais mettre au niveau du couloir, justement où il est parti, comme un éclaireur, au cas où s'il revient,
Ça marche. Que je puisse. Gam, tu arrives à ouvrir la cellule de Hilda. Ok. Merci, compagnon. Rock, Hilda et Gam, faites-moi tous les trois un jet de sagesse, s'il vous plaît. Oh, ça va. Donc, je sais pas si tu as de nouveau en jeu, cher Wame. Je peux faire des jets. Cher Gam, tu peux faire des jets. sinon, je te le lance pour toi, hein, c'est pas un souci. Mais je peux le faire. Un jet de sagesse aussi ? Sagesse, oui. Rock ? Oui. Peut-être ta position un peu avancée ou ta vigilance hein, sur l'instant. Tu sembles entendre au loin une voix grave, un peu difforme, se mettre à chantonner. Tu n'en es pas complètement sûr, mais tu jurerais que la personne qui vous a dit bonjour tout à l'heure est en train de revenir. Je préviens celui qui m'a libéré en priorité. C'est de lui faire signe, t'essayes de... Et voilà. De lui parler. Non, j'essaie de lui faire signe. Après, sans doute que les autres me verront parce que ils sont en train de regarder autour. Du coup, moi, je suis à l'autre bout. Effectivement, Kerek et Edward, vous êtes trop loin pour voir quoi que ce soit. Par contre, effectivement, Gam, tu as repéré effectivement Rock de faire des signes. Ouais, tu comprends pas très bien ce qu'il veut dire. Enfin, New York, c'est particulièrement succinct. Mais tu comprends qu'il y a quelque chose. Bah, du coup, je m'approche discrètement. Et t'entends effectivement, au loin, résonner, s'approcher tout doucement, effectivement, une voix qui chantonne. Cette voix, tu l'as reconnue. Tu sais que votre geôlier, supposé, est en train de revenir. Il arrive. Il n'y a pas d'armes, il n'y a rien du tout. Youpi. Est-ce qu'il y a des rochers, des pierres, des morceaux de Il y a quelques pierres qui traînent. Ouais. À droite, à gauche. J'essaie d'en trouver une, la plus grosse possible. Moi, je prends une torche et je l'éteins et je vais m'en servir comme arme. Pour resituer, moi j'ai bien vu un... Pardon, alors... Ouais, mais termine, tu te saisis d'une torche comme gourdin. C'est ça. Et c'était Gurz qui posait la question derrière. Ouais, pour resituer, j'ai bien vu un couloir, un autre couloir qui donnait à... Enfin, un couloir qui donnait accès à autre chose. C'est ça, un couloir qui part plus loin, effectivement. Et sans aspérité. Qui se transforme. Alors, le couloir dans lequel vous êtes, hein, qui a effectivement cette forme un peu de T, vous avez au niveau des cellules beaucoup de roches qui collent énormément à ce que vous avez sur l'image. Par contre, sur effectivement celui qui part à l'opposé d'où vient le geôlier, vous avez effectivement, tu vois d'un coup que la roche, bon, surtout que tu t'y connais toi bien, d'un coup devient comme taillée bien et part en couloir, en coude plus loin. Et tu n'arrives pas à voir ce qu'il y a au-delà. C'est une courbe. Y a qui à côté de moi ? Edward est à proximité. Tu vois qu'il saisit d'une pierre assez massive, enfin assez large. Hein, c'est-à-dire que la pierre que tu as ramassée, Edward, c'est la plus grosse que tu peux trouver. Elle tient en tes deux mains. On n'est pas loin quand même d'un bon bout de roche. Ouais. Bah, je te regarde, Edward. Eh, mon grand, il y a un passage ici. Oui, je sais, mais il revient. Il va donner l'alerte. Va falloir courir. Courir dans n'importe quel danger, je propose plutôt que nous tentions de l'assommer au moins, ou de nous débarrasser de lui, et ensuite nous en voir. Avec des pierres. Oui, on retourne dans nos cellules, et dès qu'il passe, je passe derrière lui, je l'assomme avec la pierre, et ensuite la voix sera libre. Tout va très bien se passer. On se connaît pas assez, mon bonhomme. Mais aie confiance en Kossout, il me donnera la force de réussir cela. Rock, Gam, Hilda, vous êtes toujours pas loin, vous l'entendez s'approcher.
Est-ce que vous repartez, à part Gam qui a ramassé une torche sur le chemin? Est-ce que vous réagissez? Est-ce ou vous qu'on vous cachez les a entendus ou pas? Vous les entendez discuter, les deux couillons là-bas, là, mais vous n'arrivez pas. Comme ils discutent pas non plus très fort, vous n'arrivez pas trop à distinguer ce qu'ils sont en train de raconter. Vous les voyez discuter. Je pense qu'il faut les rejoindre. Sinon, au pire, demande au Alphelin de fermer la porte. Allons les rejoindre. Je pense que ce sera le mieux pour l'instant. Vous vous regroupez. Effectivement, Kerek et Edward toujours en discussion. Continuer à débattre. Ah, quand vous arrivez, enchanté, Kerek. Je pense que les présentations vont attendre un petit peu. Nous non mais attends, j'ai pas fini. Et il je suis un bon guide. Soit on lui tombe dessus, soit on s'enfuit. Mais il faut choisir. Bah allez, on se casse. Cassons. En bas. Bah, du coup. Moi, je me dirige vers l'autre bout du couloir, enfin l'opposé de là d'où il vient. Et t'aurais le temps de fermer la porte à clé? Pour l'instant, vous savez pas s'il y a une porte au bout du couloir. Mmh. Pour l'instant, on sait. Ah oui, exact. Le couloir continue, mais vous ne savez pas du tout où ça l'amène. Ok, bon. Bah, j'avance en tête s'il faut. Edward, Rock, est-ce que vous enchaînez? Ah, du coup. Oui, je vais pas les laisser comme ça, évidemment. Bien sûr. Rock. Je garde quand même ma pierre. Je vais prendre. Enfin. Non, moi je vois dans l'ordre, du coup, sinon. Je vais suivre celui qui m'a libéré. Tout simplement, en fait. D'accord. Donc, tout le monde. Enfin, Garek part devant, tout le monde le suit. Je me souviens bien que c'était une mauvaise idée. Donc on a Kerek devant, Gam derrière, Hilda, Rock, Edward, je suppose. Ouais. Dans cet ordre-là à peu près. Moi j'ai regardé le truc vert. Allez, viens avec moi, bonhomme. Ouais, je me suis. Hein. Vous avancez effectivement dans ce couloir. Il semble partir effectivement dans une espèce de courbe assez longue. Vous me suivez. Une, deux, quelques minutes se passent doucement. Vous n'avez étonnamment rien entendu derrière vous. Mais vous suivez ce couloir, hein, assez long. Vous arrivez à un moment devant un virage sec, abrupt. Et quand vous tournez effectivement les yeux, vous voyez que toute la structure disparaît pour laisser place à un autre type de tunnel. Oh my god! Plus large, mais avec une odeur qui semble régner. Ouais. Rock, tu le sais, Gam, tu l'as déjà senti, c'est l'odeur du sang. Qui abreuve complètement la zone. Vous ne savez pas où vous êtes, vous ne savez pas dans quoi vous avez atterri, mais ça sent la mort. C'est limite un tunnel organique, quoi. C'est tellement de chair partout. C'est étrange parce qu'il y a effectivement beaucoup d'ossements. Il y a des plantes, à part peut-être Hilda qui est un peu plus cultivée, peut-être Kerek en tant que guide. Hein. Ça ressemble beaucoup à ce que vous croisez comme plante souterraine. Ça grandit étonnamment la lumière, ou non, dans l'obscurité aussi. C'est assez répandu, c'est presque un lierre un peu invasif. Est-ce qu'il y a des os que je pourrais utiliser comme un petit poignard ou des os cassés? Des os de lapin? Non, des os d'humain mais cassés. Fais-moi un jet de sagesse pour voir si effectivement tu trouves un os. Ouais, c'est bon. Comment dire? Non. Pour répondre, pardon, j'ai pas vu ton message, Hilda. Non, il en a pas besoin. Donc non, effectivement, Gam t'observe, hein, mais les os qui sont présents sont soit trop endommagés, soit tombent presque en miettes, ou sont bien trop volumineux pour certains. Il y a ce qui ressemble à un énorme os qui doit faire sur les 2 bons mètres. Demande même comment il est arrivé ici. Mais rien d'utilisable actuellement. Et bizarrement,
Si les couloirs précédents étaient encore remplis de torches, qui vous étonne un petit peu, celui-ci, vous n'en voyez aucune, mais il y a une lueur étrange qui émane des lieux. Ça fait que vous y voyez tous, bien, c'est surprenant, mais vous n'arrivez pas à percevoir l'origine de cette lumière. C'est-à-dire ça vient des murs, par exemple, ou c'est vraiment ambiant dans l'œuvre ? C'est ambiant, ce qui est assez perturbant. Il n'y a pas d'origine précise, en fait. Du coup, je peux pas me cacher dans les ombres, par exemple. Eh bien non. Ah, on se verrait, quoi. Il n'y a pas d'ombre ici. C'est ça. Ouais, est-ce que vous... c'est étrange. Est-ce qu'il y a toujours un chemin où on peut avancer, ou c'est... ou c'est tel que l'image. C'est un couloir, ça, le tunnel continue, hein. Il est un peu plus large, un peu plus, il y a plus de relief, c'est pas du taillé, hein, c'est presque naturel, mais il y a cette ambiance, cette atmosphère étrange qui emplit le lieu. Mais ça semble continuer plus loin. Ils font pas le ménage tous les jours ici. Je connais un bon moyen de faire le ménage ici, ça serait de mettre le feu à cet endroit, mais je pense que nous reviendrons faire ça plus tard. Alors, je te le dis, mon bonhomme, foutre le feu dans une caverne, ça prend pas les masses. J'avance. Et puis on risquerait plus de s'intoxiquer avec la fumée. Oui, c'est fait. On va pas faire ça maintenant, c'est sûr. C'est ça, c'est-à-dire que Karek le sait, hein, enfin, Rock aussi, vous qui avez pas mal vécu dans les souterrains, vaut mieux éviter les feux souvent dans des caves fermées, hein. C'est rarement une bonne idée. Il y a d'autres moyens maintenant qui existent pour réchauffer, qui sont très répandus justement pour éviter d'avoir à faire des feux, surtout que le bois c'est rare. Et vous continuez dans ce tunnel, Edward avec ton rocher, Game avec ta torche gourdin. Et moi avec Rock. Et toi avec Rock. Faites-moi tous un jet de sagesse s'il vous plaît. Ah là c'est le drame. Ouh. Avec bonus. Tu as quoi comme bonus? Ouais, j'ai plus 5, je sais plus où. Alors, je vais prendre le premier, hein, Edward. Oui, je sais pas pourquoi ça merde. De toute façon, le deuxième était pas vos premiers. Perception. Non, il sera pas pris en compte celui-ci, en bonus. Donc, ça sera un jet de sagesse brut. Hilda, tu ressens comme une présence pas vraiment palpable, presque magique, qui ne saurait pas trop le dire, mais qui te paraît inquiétante, très inquiétante. Rock, pareil, tu ne sais pas trop pourquoi, mais ton instinct, peut-être en tant que demi-orc, te dit... dans les mots qui conviendraient à ceux de ta race, barre-toi, mec. Les gars, je pense que au mieux qu'on parte, qu'on continue assez rapidement. Soit on continue dans le couloir, soit on fait demi-tour et on s'occupe de l'autre. Cet endroit est vraiment pas de bonne augure. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Rock, tu vois Gam qui semble te tendre son gourdin. Est-ce que le gourdin, par rapport à ma carrure, c'est genre un cure-dent ou... C'est pas vraiment un gourdin, c'est une torche d'expérience, hein, toi qui es plutôt versé dans les arts martiaux, les arts guerriers. Tu mets un coup avec la torche, il n'y a plus de torche. D'accord. Surtout que tu connais ta force, il n'y a plus de torche. Oui, je lui dis non, garde-le pour te défendre. Sous-entendu, j'en ai pas besoin. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez Hilda qui semble un peu essayer de faire presser le mouvement. Allons-y. J'insiste par ses propos aussi. Ouais, ça m'a l'air d'être une bonne idée de toute façon. Vous avancez plus loin, vous passez un virage. Vous arrivez dans une sorte de salle, vous voyez de l'autre côté, comme un rideau, comme des osselets qui auraient été assemblés. Et vous voyez une étrange forme qui semble se relever juste devant.
quelque chose que vous ne sauriez vraiment décrire. Il se retourne vers vous. Il n'émet aucun son. Par quoi saute cette aura ? Toujours pas d'ombre, je suppose. On peut pas qu'elle vous cache. Mais vous voyez que cette étrange lumière semble émaner de cette pièce, presque de l'être en question. Vous ne bougez pas. Vous semblez un peu stupéfait. Et vous la voyez lever les mains. Et comme si d'un coup, comme une pression se faisait sentir, et vous allez tous subir 4 points de dégâts temporaires. À part Rock. Non, Rock a une intelligence supérieure à 6. Eh oui. Désolé de l'apprendre. Vous savez pas trop ce qui vient de se passer. Vous tenez tous d'un coup la tête. Et Hilda, Rock, le sentiment que vous aviez eu précédemment devient intense. Rock, fais-moi un jet de sagesse, s'il te plaît. T'as ton instinct qui te hurle complètement de fuir, de te barrer. Ouais. Bah... T'arrives malgré tout à te contenir. Hilda, tu sais, tu sens un peu cette impression terrible de cette créature en face de toi. C'est elle qui t'apportait effectivement cette impression de malaise, de risque, de terreur presque. Je vais vous demander de tous me donner votre initiative. 8. Bah du coup avec les dégâts je me suis pris... Ah mais non, c'est toujours même. Tu prends la mienne, laquelle? Donc Gam, oui, je vois deux fois même la tienne. Je la vois bien, effectivement. Donc nous avons dans l'ordre Gam ainsi que Greg qui joue en même temps. Ensuite c'est Rock, Hilda, puis Edward. Gam et Kerek, vous avez senti le choc violent que vous venez de subir. Qu'est-ce que vous faites? Ah, je me replie. Ouais, pareil, je pars, je crie fuyons. Vous repartez, vous faites demi-tour en cavalant. Pourquoi, il y a un passage derrière lui? Il y a... Non, pas derrière. Non, ils repartent, ils font demi-tour. Ce que je veux dire, c'est que la créature est derrière ou devant nous? Ah, devant vous. Elle était sur votre chemin jusqu'à ce que elle se relève et que vous sentiez comme un violent hurlement dans votre tête qui vous a presque, pour certains, assommé. Okay. Moi, je dis Black la Rock. Mais si je vois les autres courir, je vais pas les plaquer. Du coup, je fuis aussi. Le courant. Donc, Gam, alors que je récapitule, Gam, tu as fait demi-tour. Kerek, tu as crié à Rock de le plaquer. Ouais. Mais tu n'as pas bougé. Bah, si je peux faire. Même de. Tu peux te déplacer, hein, c'est pas. Ouais, bah, je me déplace. Tu t'avances, tu te mets en position, je sais pas. Je recule. D'accord. En fait, je veux pas aller dans sa zone de bagarre déjà, quoi. Gam a fait demi-tour et a quitté promptement les lieux. Rock. Je vais fuir aussi. Mon instinct de survie. Enfin, mon instinct me disait que cette créature, elle craint. Du coup, je vais pas aller contre mon instinct. De base. Donc voilà. Donc tu vas suivre Gam dans son mouvement. Tu te retournes d'un coup, tu traces sans même répondre à l'appel de Kerek. Hilda. Ouais, bah, il y a tout le monde qui semble partir sauf Kerek. Je fais signe à Kerek qu'il vaut mieux qu'on vous parte. Vaut mieux qu'on parte, Kerek. Edward. Vu que tout le monde part. Et soyons pas fous, hein, je les suis aussi.
Je recule doucement et si je vois vraiment que si je vois que Kerrek se met à courir, je me mets à courir. Tu ne sais pas trop ce qui vient de se. Enfin, ce qui se passe, hein, Kerrek semble encore présent. La créature semble pas particulièrement réagir. Elle s'avance, elle fait un ou deux pas. Elle semble tendre un peu les mains. L'impression d'inquiétude devient presque palpable. L'impression de terreur dont émane de la créature. Mais elle ne semble rien faire de plus pour le moment. Gam, Rock, Hilda, vous êtes déjà repartis pour le moment. Kerrek, tu as vu presque tout le groupe repartir. Est-ce que tu tentes quelque chose? Ouais, de les rejoindre. Très bien, Edward. Du coup, je jette ma pierre, je la laisse tomber. Et je les suis, j'emboîte le pas. Très bien. Ma mimi de life, c'est bon. Alors, c'est des DM temporaires, hein. C'est pas des blessures. Ça passe au travers toute la résistance, mais ça reste des DM temporaires. C'est-à-dire que vous étiez sonné, très sonné, mais vous n'étiez pas blessé en tant que tel. D'accord, ok. Mais est-ce qu'on subit quand même les affaiblissements? Les affaiblissements, non. Non, il n'y a pas d'affaiblissement lié au PV actuellement. Pas pris en compte. Je ne l'ai pas précisé, il faut que je le note. Donc, quand vous êtes en dessous de vos 50% de PV, il n'y a pas d'affaiblissement qui se passe. D'accord. Okay. Je ne peux pas l'arrêter. Restez full, sans problème. Okay. Vous avez tous couru, hein. Gam devant, Rock l'ayant suivi, Hilda, vous arrivez de nous, vous cavalez. Rock, Hilda, ça s'est presque transformé en terreur absolue, hein, ce que vous avez ressenti. Vous avez couru, couru, couru quelques minutes, vous êtes revenu à ce virage où d'un coup cette zone oppressive se terminait et revenait à un couloir taillé. Vous êtes épuisé, vous avez soufflé. Hein. Hilda, t'as presque la tête qui tourne. Gamrock, vous êtes plus solide, donc vous avez eu l'habitude de courir. Vous voyez Kerrek qui arrive, suivi d'Edward, quelques instants plus tard, tout s'essoufflé. Mais pour l'instant, rien d'autre. On n'est pas des parents qui ont du courage, ça c'est sûr. En même temps, je n'ai jamais vu une créature pareille.